Salut tout le monde, c'est Ldezo et on se retrouve aujourd'hui pour la démo de Final Fantasy XV, un jeu qui est notamment attendu depuis des années par tous les fans de Final Fantasy. Je pense que ça va swinguer, ça va être un épisode tout simplement merveilleux. Donc il parle de l'épisode du Sky, je ne sais pas du tout ce que c'est, à part le fait que c'est une démo bien sûr. Donc je l'ai eu grâce à mon édition collector de Final Fantasy Type 0, que je vous ferai plus tard. Parce qu'en ce moment j'ai pas le temps, j'ai eu quelques problèmes. Enfin bref, c'est ma vie personnelle. Donc on va se lancer ce FF15, c'est parti. En espérant qu'il envoie du lourd. Ouais, donc voilà, là on reconnaît bien le personnage. Si vous connaissez de son Final Fantasy, que vous avez déjà fait quelques recherches sur Final Fantasy XV, le personnage aux cheveux noirs là, on le reconnaît très facilement. Hop, c'est la langue des voix japonais. Choisissez le type d'acoustique comme cinéma. Ok. Alors on va faire un petit réglage avant. Donc je vais la langue des tests. Ouais, mais ça on l'a déjà fait de toute façon moi, en japonais parce que voilà. Moi je suis fan de manga, du coup j'y mets en jap. Allez, c'est parti. Après toute une nuit passée au milieu des gratte-ciel de la capitale, il était inévitable que la nature s'étendant à perte de vue sous leurs yeux distrait les quatre jeunes gens. En quittant le bitume de la route pour suivre un mauvais chemin de terre, ils entendirent le gissement sourd de leur voiture qu'au moment où elle rendit l'âme. Le chemin vers Titan, le géant de pierre qui sommeille au cœur des terres incandescentes du disque de Kotès, promet d'être long et ardu. Pour l'instant, le groupe doit trouver un moyen de récupérer son véhicule. Ok. Bon, ça doit être une petite introduction à Final Fantasy XV, je pense. Je ne m'attends pas à avoir le début du jeu, je pense. Je pense que le chargement, c'est pour charger absolument toutes les données là, parce que il n'y a pas eu. Enfin, si j'ai eu l'installation de la démo, mais c'est tout quoi. Ouais, c'est bon, c'est parti.車を壊しちまったやつ誰だ。まったく。誰だろうね。ああ、もう本当ごめんなさい。わざとじゃないんだって。そうだな。わざとなら大問題だ。無理か。 起きろ、ノクト。揺れてる。叩きすぎ。俺はタイタンかよ。おはよう、ノクト。目あげろ。起きたな。そうでもない。 行かなくていいのか？修理代を用意してカーテスの大皿に。しっかりしろよ、王子。巨神様のお膝元までもう一踏ん張りだ。俺も天気はどうかな。<笑>
標の金額まではまだかなりある。噂のベヒーモスでも狙うか。この辺にいるんだろう。角、高く売れるんだっけ。俺たちだけでなんとかできんの。なんとかしねえと車戻ってこねえだろ。修理は進んでんのかね。シドニーなら安心だよ。任せてって言ってたし。わざわざ近くのスタンドまで出向いて修理してくれてるらしい。だからあとは金。角でも何でも仕留めて売って車を迎えに来ゃいいって話だな。Acheter une conduite, économiser 24 000 gils pour payer les réparations de la voiture. Vous venez de recevoir une quête principale, les quêtes commencent souvent suite aux suggestions de vos compagnons. Ok. Comment on fait pour avancer ? Prendre le behemoth par la corne. T'es sérieux, on commence par un behemoth ? Les quêtes principales constituent le fil conducteur de l'histoire. Examine le panneau indiqué de... On parle aussi. Ok, ça marche, j'aimerais bien pouvoir bouger. Merci. Non mais attends, mais s'ils nous font attaquer un behemoth direct quoi là, le premier monstre, c'est un des monstres les plus puissants qui existent dans Final Fantasy, pour ceux qui connaissent pas. Donc je pense que ça va être chaud. Ah, ça y est, je peux me déplacer. Je peux rien faire d'autre. Noctif, 90, ouais, non. Je peux rien faire. Franchement ça va, il est bien fait, mais je le verrai plus sur PC. Parce que là... Oh my god, je t'avais pas vu toi là-bas. Ça c'est pas un behemoth. Je sais pas ce que c'est, mais ça a de la gueule. Non, non. Ize. Putain... Je sens que ce jeu va être bon. Surmonter Morteuil, sévit dans la forêt, 25 000 gilets, on commence. Ok. Chotto, attends. Hein? Bienvenue au propos de petit entraînement. Voulez-vous apprendre les bases du combat? Yes! Vas-y, je vais voir ce que ça donne. Alors, est-ce qu'on a. Est-ce qu'on peut battre maintenant? Le mode offensif et le mode défensif. Pour combattre efficacement, vous devrez apprendre à attaquer et vous défendre. L1, mode défensif, permet d'esquiver les attaques automatiquement en dépensant des PM. Ok. Entraînez-vous à esquiver les coups de glaive. Ouais, t'es tiré à côté là, faut arrêter les conneries. J'appuie sur L1 pourtant. Ah, faut maintenir. Ça se recharge pas tant qu'on appuie, tant qu'on reste pas appuyé sur L1. Ok. Voilà. Noctis se bat en invoquant des armes, ok. Carré, le mode offensif vous permet d'attaquer coup par coup ou de faire une série d'attaques en maintenant la touche appuyée. On va tester les deux. Ok, maintenant je vais essayer sans appuyer carré. Apprenez à bien utiliser le carré mode offensif et L1 mode défensif en fonction de la situation. Ok. Poursuivez l'entraînement. Ok. Oh, j'ai changé d'arme, c'est magnifique. Ça c'est bon là, donc maintenant... Eclipse et compétences. Noctis peut utiliser différentes aptitudes en dépensant des PM. Donc il y a toujours ce mode... Il y a toujours ce mode ouais, où t'as voilà, une jauge d'attaque, une jauge de défense et compagnie. Mais maintenant on est libre d'attaquer quand on veut, quand on peut. Je sens que ça va être bon. Ça ressemble en fait un peu plus au mode d'attaque de Kingdom Hearts, si je comprends bien. Mais sur du Final Fantasy. Moi, si je suis un fan de Kingdom Hearts et de Final Fantasy, je préférais, au niveau de l'histoire et de l'originalité de Final Fantasy.
mais je préférais les modes de combat de Kingdom Hearts. Et là, quand je vois que dans Final Fantasy, on a le mode de combat de Kingdom Hearts, ça me fait tout simplement rêver. Franchement, je sens que ce jeu, même pour ceux qui n'ont jamais aimé ou qui n'ont jamais voulu essayer Final Fantasy, celui-ci, le Final Fantasy XV, je vous conseille sincèrement de l'acheter. Il risque d'être franchement génial. Vous pourriez l'aimer. Oh, il se téléporte avec ses armes. Vos PV et PM remontent rapidement quand vous êtes en hauteur. Ah ouais. Alors, R1 ciblé. Ok, et là, R1 plus croix. Ah, et après, t'attaques comme un porc. R1 plus croix. Ouh. Oh putain, mais c'est qui? La même mort toujours. Vous devez également dépenser des PM pour utiliser la... avec triangle affiché en bas à gauche de l'écran que vous pouvez changer avec d'attaque. Entraînez-vous à utiliser. Ok. Ah ouais, tourbillon, vas-y. Test pour moi. Appuie. Oh, j'esquive de peu. Ah, faut que j'attende que ça remonte. Ok. Si vous dépensez tous vos PM, vous tombez en état de PM épuisé. Vous ne pouvez alors plus esquiver ni utiliser des compétences. Aïe. Vous pouvez accélérer la régénération des PM en utilisant l'action contextuelle et à l'incouverture parée d'un obstacle ou l'action croix éclipse pour aller en hauteur. Ouais, mais alors. Comment je fais pour aller en hauteur? À l'incouverture. Gérez vos PM judicieusement afin d'éviter de vous retrouver à court quand vous en avez plus besoin. Ouais, c'est toujours bien stratégique ces jeux-là, j'adore. Jouer, mais je vais le combattre, mais tu vas attendre 2 secondes avant. Hop. Ensuite. Ouais. Oh my god. J'ai dû lui faire ça, ça. Que passa? La casa? Les parades. Ça existe encore ça? Un garde au lieu d'esquiver. Contre certaines attaques indiquées par une marque lumineuse. Ok, vous pourrez vous mettre L1 garde au lieu d'esquiver. Une parade, une contre-attaque. Ok. Non. Ah bah ça n'a pas marché. L1 mode défensif. Ah mais il veut pas. Faut peut-être que j'attende d'abord. Ah vas-y, viens. Là, il esquive, parade, et là, voilà. Essayez de parler des attaques de Gyarados. Ok. Ah mais je le fais trop tôt aussi, il faut que j'attende qu'il y ait bien les boutons qui apparaissent. Putain. Ça y est, t'es mouru. Non, pas encore. Là. Putain, il a plus de jauge de vie. Le changement d'arme. Alors, chaque arme qu'utilise Noctis, donc c'est notre personnage, a ses spécificités. Par exemple, les épées à une main permettent de regagner plus de PM, et les épées à deux mains permettent d'infliger plus de dégâts. Ok, mais moins de PM. Le style de combat a varié grandement en fonction des armes. Son tuer cible à chaque sélection d'attaque, à son enchaînement, exécution, riposte et bonus d'attaque. Ok, d'accord. Hop, objet, arme. Percée puissante. Moi j'aime bien la percée puissante. Vengeresse, on va lui mettre. Non, tourbillon l'ami. Son ami, percée puissante, on l'a mise. Et l'âme de mon père, on l'a mise aussi. On va tester. J'ai une potion, antidote, une queue de phénix. Ça, c'est quoi ça déjà, les queues de phénix? Je me rappelle, j'en avais dans le 13 de temps, ça fait trop longtemps. Je peux changer d'arme comme ça tout simplement.
pas aimé. Félicitations, vous avez maintenant les bases du combat, ok. Bon bébé, what? Stop. Ah non, maintenant ils veulent que je le batte, j'imagine. Maintenant, enfin, un combat amical en mettant en profit ce que vous êtes venu d'apprendre. Merci. Ouh! Ah, pourtant j'appuie hein, sur. Ah non, voilà! J'ai loupé! Je crois qu'il faut bien tourner la caméra quand on veut viser. Alors là... Celle-là, on l'a pas utilisé encore. Vite, vite, remonte, remonte. On est toujours seul. Ah merde! Je crois que j'ai eu plus mal que deux. Moi, je vais faire mal. Gagné. Ah non. Vous pouvez aider un compagnon en état de danger. Appuyez sur croix près de Bienvenus pour qu'il retrouve des forces. Bon, en gros, là, j'ai de mon ennemi, du coup, je dois... C'était un match qui est amical, c'est normal. Maintenant, reprenez votre chasse au behemoth. Oh, et j'espère qu'on va pouvoir, comme dans les 13, apprivoiser les animaux comme celui-ci. J'aime pas trop tuer les bêtes, moi je les aimais bien, comme Pokémon. Prendre le behemoth par la corne, trouver des... chercher la trace du behemoth. Pas moyen de faire des petites actions. Oh, on peut sortir les armes quand on veut. Nanda, aitsu. Toutetsu to iu monster. Ano serudoi kiba o emono ni tsukitate. Suana kara hikidashite taberu rashii. Son de féroce qu'un. Sore sa, soutou da ne. Seikaku teki ni kakawari taku ne. Yudan suru na yo. Ah, nickel, il n'y a plus les phases de combat. Et voilà. Putain, et on a toujours nos alliés, ça c'est le cas. Finish. Putain, moi c'est lui que je veux aller voir. Je veux aller dans la flotte. Ah oui. Ah, il bloque. On doit pas pouvoir aller nager ou quoi que ce soit. Ouais, non, il veut pas aller là-bas. Putain, mais... C'est un diplodocus, le bordel. Où les gros cochons? Ça, c'est les monstres à grosse carapace, si je me rappelle bien. Très répandus dans la région de Duskae, ils sont d'ordinaire paisibles, mais attaquent en troupeau si on les menace. Ok. Ceux-là, normalement, ils ont une grosse défense. Ils sont lents, mais... Ouais, voilà, c'est bien ce que je me disais. C'est le genre d'animaux. Celui-là, il est gros. Ah bah, il y a toujours cette mode d'attaque. Boom.
Putain, lui il en a donné à l'expérience. Ils sont plus petits. Ah, c'est bon ce jeu, c'est bon. Enculé, il y en a un gros jaune là-bas. Celui-là, je le vois. Je veux le gros mammouth. Coucou les filles. Bah, tant qu'on les fait pas chier, ils nous attaquent pas. Hein? Toi, par contre, vu que... Ah non, c'est qu'il a une jauge de... Ouais, il est soufflé, quoi. Si je m'arrête... Ah non, là, il fait plus. Pronto! Et hop, continue! Ouf, ouf! Là, on a un gros tas. Oh, sa vie était sympa. Aïe 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 aïe. Quand vos PV tombent à zéro, vous passez en état de danger. Vos actions sont alors limitées et les dégâts vous font perdre de PV max. Si vos PV max tombe à zéro, c'est le game over. Utilisez une potion dans la liste des objets pour en recueillir. En tout cas, ça fait pause, donc on a tout le temps de le faire. Ah, j'ai pas le temps d'attaquer. Ah si, ça va. Mais je vois pas trop Ah, PM épuisé. Ah, ça c'est cool. Où c'est que t'attaques, Léo? Et le gros, reviens là, reviens là, reviens là. La jauge blanche, faut bien regarder par contre. Ouais, il est vulnérable, attaque. Aïe aïe aïe. Je suis à zéro. Si j'ai bien compris, il doit regagner sa jauge de vie. Ah non, c'est bon. C'est les copines qui sont là. Ah. Il y a trop longtemps. Deux. Putain, mais les ont bien abîmés. Ah, j'ai appuyé sur l'un. Game over. Non. Nickel, à chaque fois il est en train de me sauver la life là. Ah, je suis couronne bouton, putain. Bon allez, on va s'attaquer au micro. Aïe. Oh putain, je l'avais presque tué. C'est incroyable quand même. Toi par contre tu peux pas grand chose. Galin mon gros. Putain, il veut pas lui. Non. Oh, j'ai loupé le coin. Faudra que j'apprenne quand même à jouer.
jeu parce que là ça. Ça m'est arrivé déjà quelques fois de louper mes grosses attaques. Parce que là, je pourrais essayer, ouais, un souffle. Pas aimé ça. Et bien, je disais merde. Regagne tes PM. Aide-moi ton tour. Autre balle, aide-moi. Oh putain, je pensais qu'il allait m'aider, tu parles. Ah là, il est vulnérable. Oh putain, merde, j'ai plus de PM. Alors, infliger des attaques, enfin infliger des dégâts, remonte les PM. Par contre, quand on attaque, il remonte automatiquement. Je vais pas réussir à l'avoir, celui-là est trop haut. En plus il court dans tous les sens. Je vais juste de me régénérer. L'idée apparemment. Ah, ouais, je me vole de la vie. Fini, j'ai dit. Ah, j'ai gagné un truc en plus. J'avais oublié qu'on pouvait cibler les créatures, je trouve. Elle peut mi. Merci. Ben voilà. Comme ça on aura vu à quoi ça sert. Enfin, ok,
quelles sont les bosses. Les héros comme ça ils donnent des trucs. Les états bénéfiques du jour ont pris fin, camper dans une situation. Dana, je m'y suis. Là, il y a du monstre. Bon, mais les gens, vous savez quoi? On va se retrouver la prochaine fois pour la suite du Behemoth. Comme ça, on se fait des petits épisodes un peu tout le temps. Donc, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo si vous l'avez aimé. Et ciao tout le monde!